début du mois de janvier, j'ai découvert le rapport d'Oxfam International qui révélait ce chiffre incroyable. 1% de la population mondiale possède plus que tous les autres. Et en lisant ça, je me suis dit c'est une bombe parce que nous sommes les 99% et nous n'allons pas subir éternellement ce système. Alors j'avais pas envie de faire un livre politique comme il en fleurit plein. Moi j'ai toutes les solutions. Moi je peux promettre tout le changement à la terre entière. Alors qu'on sait que pour changer, en vérité, il faut s'attaquer à un système. Ce livre, c'est une tentative de décrypter le système des 1% qui nous domine et de dire le pouvoir, il appartient aux 99%. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, finalement, 99%, pour envoyer un message de confiance à tous ceux qui ont le pouvoir et la force collective de changer le monde. Et ça tombe bien parce qu'à quelques jours de la sortie du livre, eh bien, il y a ce formidable mouvement sur la loi El Khomri. Les 99% vont être dans la rue, vont sentir leur pouvoir. Qu'est-ce que nous allons en faire au-delà de ce mouvement? C'est la question que je pose dans ce livre.